parle à propos de la troisième dose du vaccin SARS-CoV-2. On remarque une grande influence de la population de Salé vers tous les vaccinodromes de Salé, au sein des circonscriptions sanitaires de Salé. Cette troisième dose, les vaccins disponibles sont le vaccin Pfizer et BioNTech et le vaccin Sinopharm. Ce sont les deux types de vaccins actuellement disponibles pour la population du Salé et à travers eux, toute la population marocaine. Cette troisième dose a un rôle important pour renforcer l'immunité de la population et arriver à l'immunité communautaire ou l'immunité du groupe. On a remarqué dernièrement les gens qui ont reçu le vaccin vers le mois de février et le mois de mars, une baisse de l'immunité. Donc il faut la renforcer par une troisième dose. Pour les gens qui ont reçu la première et la deuxième dose pour n'importe quel vaccin, soit Sinopharm, soit AstraZeneca, soit Pfizer, soit Johnson & Johnson, et après 6 mois de la deuxième dose, ils peuvent bénéficier des deux types de vaccins, comme j'ai déjà cité, selon le circulaire du ministère de la Santé et selon la déclaration du comité scientifique et technique. La troisième dose, elle est destinée surtout pour la population qui travaille au premier front. Ça veut dire l'autorité locale, le personnel de santé et la population vulnérable, c'est-à-dire ceux qui ont des maladies chroniques et qui ont une vie. L'intérêt du vaccin, il est primordial. On a vécu la comparaison entre les deux vagues, la vague du novembre 2020 et la vague du mois de juillet et août 2021. On a remarqué que le taux de positivité il est très élevé, mais le nombre de décès il est moins. D'accord. Voilà, je viens de recevoir le message pour mon troisième vaccin. Ce troisième vaccin est d'une importance capitale, bien sûr, aussi bien pour les âgés que pour les moins âgés. C'est une protection aussi bien pour la personne que pour le pays. J'invite tout le monde, tous les Marocains et les Marocaines, à y adhérer à ce troisième vaccin. Et ceux qui n'ont pas encore eu leur deuxième dose, eh ben, qu'ils se dépêchent. Et à bon entendeur, salut. Wallahi chafi tout le monde. Ou que Dieu nous protège de cette pandémie.